League of Legends, on a demandé à Riot Games si la Loser Queue existait vraiment. Chris Roberts, développeur en charge des ranked et matchmaking, nous répond « Je suis heureux de confirmer que la Loser Queue n'existe pas, pas plus que la Winner Queue. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'offrir un match équilibré dans un laps de temps raisonnable. Si on effectue bien notre travail, vous avez à chaque fois, à chaque partie, 50% de gagner. L'équipe qui joue le mieux gagne, bien évidemment. Mais à tout moment, il y a énormément de joueurs qui jouent. Si tu prends un million de joueurs qui font un pile ou face 20 fois, il y a bien un cas parmi ce million qui va avoir 20 fois pile de suite. C'est juste une histoire de probabilité. Le matchmaking n'est pas parfait et comme toujours, on a identifié des pistes pour l'améliorer. Mais il n'y a pas de volonté cachée pour vous faire gagner ou perdre vos matchs. Faut-il croire les paroles de Riot? Dans ce début, autour de l'algorithme, on évolue en tâtonnement. Il y a beaucoup de ressentis mais très peu de preuves. Alors que dans les deux camps, on s'accuse l'un l'autre, c'est compliqué de se positionner. Seuls les développeurs de Riot Games ont la réponse et pour le coup, la déclaration de Chris Roberts ne laisse pas vraiment de place au doute. Certains diront cependant que c'est une opération de communication et que ce dernier n'a aucun intérêt à dire la vérité. Ce n'est pas foncièrement faux, mais on n'a pas non plus envie de tomber dans le complotisme. La réponse de Riot Games a une vraie valeur étant donné qu'elle a eu lieu dans une table ronde de pré-saison qui rassemblait énormément de médias internationaux. La question posée par MGG n'était pas innocente et peut-être lourde en conséquences.